Revolution. Ok, de quoi voulez-vous parler? Je suis là. Il vous suffit de dire « Ok Google » pour que je vous écoute attentivement. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble quelques petites nouveautés sur notre Google Home au niveau application et une petite astuce qui peut rendre service à beaucoup de gens si, comme moi, éventuellement, lors d'une sieste ou le soir, si vous écoutez tranquillement de la musique, si vous écoutez tranquillement la radio, vous vous endormez, on peut dire à notre Google Home de s'arrêter au bout de tant de temps. On va tout de suite rentrer dans le sujet de la vidéo. Merci de regarder donc cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker et partager avec vos amis. Allez, donc c'est parti, on va tout de suite demander au Google Home de parler avec une application spécifique. On va donc demander à notre Google Home de parler avec une application, comme son nom l'indique, on veut avoir un programme express. Alors, on va demander à OK Google, parler avec Télévision Express. Sur TF1, c'est The Blacklist, sur France 2, il y aura la mort dans l'âme. Sur France 3, ce sera des racines et des ailes, enfin sur M6, il y aura Top Chef, bonne soirée. Parler à Télévision Express. C'est la possibilité d'avoir très rapidement ce qui se passe sur les quatre premières chaînes essentielles de la TNT, TF1, France 2, France 3 et M6. Et vous aurez donc les programmes très rapidement. Ensuite, on va avoir la possibilité de lui demander, écoutez, RTL2. Je mets en streaming RTL2 sur TuneIn. Voilà, donc comme vous avez entendu, ici, on lui a demandé de lancer une radio. Maintenant, je vais lui demander... Écoutez RTL2. Je mets en streaming RTL2 sur TuneIn. Coucou, c'est Juliette Armanet. On se retrouve vendredi à 19h. Arrête la radio dans 30 secondes. L'appareil bureau s'arrêtera dans 30 secondes. Depuis que vous... Conversion de l'État. Le Google Home s'est mis en arrêt automatiquement au bout de 30 secondes. Et ceci, on peut le faire sur une demi-heure, une heure, deux heures, etc. Home, si vous vous endormez, le Google Home peut s'éteindre automatiquement. On peut faire idem avec la musique. Écoutez Deezer. Bien sûr, je mets de la musique sur Deezer. OK Google, arrête la musique dans une heure. L'appareil bureau s'arrêtera dans une heure. OK Google, arrête la musique dans 10 secondes. L'appareil bureau s'arrêtera dans 10 secondes. Et voilà. Donc tous les médias peuvent s'arrêter automatiquement en lui demandant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche sous l'abonnement et de partager cette vidéo avec vos amis. Moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Salut. Au plaisir.